Bonjour, bienvenue. Allez, suivez-moi. Entre. Ah. Excusez-moi, c'est le travail. Oui, allô? Oui. Oui, c'est moi. Oui. Pardon? Vous avez trouvé une erreur? C'est pas possible. Il manquerait plus que vous trouviez du shield et un pompe. Comment vous êtes-vous rencontré avec Claire? Ah, bah je faisais des vidéos de tuto bricolage sur YouTube. Et là, Luclab, il a aimé mon travail. En fait, surtout ma dédicace. Du coup, un jour, il est venu me demander si je voulais pas l'aider dans sa prise de pouvoir. Et je lui ai dit, moi, je m'y connais, mais en film de guerre. Et là, Banco, il m'a dit, je t'engage. Comment c'est vous votre travail? Ah, bah. On a un signe de ralliement pour Luclab. T'es avec lui, t'es comme ça. Tu sais pas faire, on te prend pas. Avez-vous un bon confort de vie sous l'oreille de Luclab? Alors oui, j'ai pas un plein. J'ai un appartement de fonction, celui-là. Alors, puis pour tout vous dire, j'ai aussi l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement. Tout l'immeuble? Ouais, tout l'immeuble. Du coup, comme on joue souvent sur Fortnite ensemble, c'est là qui m'a laissé l'appartement et l'immeuble. Et du coup, dans les autres appartements, j'ai mis mes skins, quoi. Donc, chaque appartement a un skin. Et donc, vous gérez la sécurité de Luclab depuis ici? Tout à fait. Je gère la sécurité d'ici. La tablette et le stylet. Je fais tout. Et on peut voir... C'est-à-dire que c'est un peu confidentiel quand même. Vous comprenez? Mais vous jouez? Ah non, c'est de la stratégie. Je ne joue pas. Voilà, Fortnite, les skins. Tout ça, c'est de la stratégie. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Bonjour, je ne dis pas bonne journée, mais super journée. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous avez là? Non, mais ça, c'est avec les copains, on a fait une soirée. Oula, attendez, c'est l'heure de la prière. Oh Ryan, entends nos prières. Sois béni par l'humour et la force du clan. Ton digne élu. Amen. C'est bon, on peut y aller. Venez avec moi. Comment avez-vous connu le clan? Je me souviens très bien, c'était lors de la sortie de Poulet au curry. J'avais jamais vu un son aussi magnifique que celui-là. Mais attention, HKZ n'a qu'à bien se tenir à côté de ça. Ça mon pote, vinyle collector 200 grammes poulet au curry. Édition limitée mon pote, introuvable dans le monde. Je l'ai chopé à 200 balles, regarde. Roberto, Bernard. Ça c'est de la frappe ça. Poulet au curry. Qu'est-ce qui fait de vous le fan de Luclab? Mais j'ai tout de lui, je connais tout sur lui. J'ai de son premier livre, Ma Teub, à son dernier, Rouleau de PQQ. Vraiment, je connais tout de lui. Alors en fait, là tu vois, ça, c'est un mec qui m'a mis ça dans la boîte aux lettres, donc je sais pas qui c'est, mais on m'a mis ça, donc moi j'ai décidé d'en acheter, parce que ça parlait de Luclab. Et donc depuis, je vois ça, et franchement, c'est pas mal. J'aime bien. C'est bon? J'aime bien. Pouvez-vous nous donner votre avis sur cette prise de pouvoir de Luclab ici en France? Évidemment, je pense que notre pays avait besoin de renouveau et Luclab était le choix évident pour remplir ce rôle. Sa chaîne est incroyable et j'y suis abonné depuis le début. Mon rêve serait vraiment de le rencontrer en vrai et de faire perdurer tout ce qu'il a construit depuis le début. Vous savez, je suis d'accord avec toutes ses décisions. La dernière fois, par exemple, il a mis une loi obligeant les gens à rigoler 20 minutes par jour. C'est génial, vous m'entendez? C'est superbe. Alors, Luclab, si tu regardes ce reportage, sache que j'ai envie de te faire des enfants, Luclab. Hein? Non mais je l'aime, j'ai envie de lui faire... Non mais Luclab, regarde-moi, j'ai envie de te faire des... Luclab, monsieur, monsieur! C'est pourquoi chez PQQ, nos scientifiques se sont battus durant des années pour trouver le papier toilette parfait. J'adore ces vidéos, vous savez, je regarde ça tous les soirs. Vous aimez bien? Ah, moi j'adore. Vous voulez voir avec moi? Allez. Ok, c'est reparti. Hey! Bienvenue au Temple Club!
C'est ici que je me charge de la communication pour l'UCLAB. Ses discours, ses envies, ses messages. Je vous laisse entrer. C'est ici que tout prend vie. C'est ici que je crée tout. Par exemple, vous avez cette affiche de PQQ sponsorisée par l'UCLAB. Bon, bien sûr, elle a été faite par moi, le meilleur. On voit bien qu'elle est parfaite. Mais bon, on revient sur mon ordinateur. En ce moment, on est dans un projet musique pour promouvoir la prise de pouvoir de l'UCLAB. Donc, si vous êtes sage, on vous fera écouter un petit extrait à la fin. Vous êtes donc chargé de toutes les communications pour l'UCLAB? En effet, c'est un détail très important. Je suis chargé de toutes les communications pour l'UCLAB, que ce soit dans la vidéo, à la télé, en musique, sur TikTok, et même parfois sur d'autres sites. Parlez-nous d'un projet que vous avez pu réaliser. Oh, eh bien, un grand projet que j'ai réalisé, un de mes meilleurs, même s'ils sont tous fantastiques, c'est par exemple le PQQ, vous pouvez voir là, ou même là. Alors, c'est un projet vraiment très bien sponsorisé par l'UCLAB, mais je peux dire que j'en ai testé des milliers, des PQ. Et je peux dire que celui-là, c'est le meilleur, parce que on peut l'utiliser aux toilettes pour éponger une flaque. Ou alors pour se faire du bien. Se faire du bien? Vous m'avez compris? Non. Prochaine question. Où trouvez-vous toutes ces idées? Oh, eh bien c'est simple. Déjà, je m'inspire du meilleur, de l'UCLAB. C'est une source d'inspiration pour tout le monde, donc même pour moi. Pour vous dire, même quand on a rencontré Margot Robbie, elle était vraiment inspirée de fait de juste voir l'UCLAB. Et à un moment, Martin Scorsese voulait faire un biopic sur la vie de l'UCLAB. Mais il n'a pas proposé assez d'argent. On ne peut pas faire un biopic sur la vie de l'UCLAB avec aussi peu d'argent. Donc on lui a dit non. Vous comprenez. Vous avez eu des contacts avec l'UCLAB? Oui, je lui ai même beaucoup parlé. Pour tout vous dire, j'ai même vu son derrière. Comment ça? Bah, son cul. Vous avez eu le cul de l'UCLAB? Tout le monde s'appelle l'UCLAB maintenant, donc je vois pas en quoi c'est bizarre qu'il me l'ait montré. Ah, mais d'accord. Vous avez vu celui de l'UCLAB? Mais c'est pas l'UCLAB. Bienvenue au domaine de l'antilucarisme. Ici, nous luttons pour notre France d'avant, notre France où nous avons le libre arbitre. Nous sommes là pour dévoiler la supercherie, montrer que Lucas, il pue la merde. Attendez, les gars, c'est moi qui suis venu pour poser les questions, là. Ah, vous posez les questions? Bah, ouais. Quelle question? Expliquez-nous votre mouvement ainsi que le nom de celui-ci. Nous sommes les antilucaristes. Nous sommes des partisans de l'ancien pouvoir. Et de la République. L'arrivée de Lucas au pouvoir est une imposture. Nous souhaitons son départ au plus vite. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce mouvement? Ghostbusters. Napoléon. On s'était mis d'accord sur Ghostbusters. Mais c'est nul ce film. Psst, tu m'étonnes, t'as un hater pour ce pays. Je te signale que t'en es un aussi. Messieurs, c'est pas le sujet. Ah, pardon. Hey, oh, c'est moi qui a raison. Qu'est-ce que les haters? Non, mais c'est quoi cette question? Bah, en fait, un haters, bah, c'est tous les gens qui sont contre le nouveau gouvernement de Lucas. Donc on est des haters. Ouais. Mais c'est pas qu'on aime pas ses contenus, mais... C'est que c'est carrément de la merde. Un peu quand même. De la merde. En fait, vous n'avez pas son contenu, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Tenez, tenez. C'est pour vous, ça. Parce que vous êtes avec nous, maintenant. Allez. Ouais. On l'a retenu votre... Détruisons l'UCLAB. Votre adresse. On vous brûle. Vive la France! Vive la République! Ok les refs, c'est le moment de s'abonner à l'UCLAB. On n'hésite pas à s'abonner, on active la cloche, on like et on n'hésite pas aussi à s'abonner à la chaîne des DRK. Clin d'œil, clin d'œil. So, papa, pa!
Star s'abonne à Lucas. Promis disque de la belle, je tape mon kebab. Stop, on vient faire la belle. Fais pas la belle, fais pas le beau, fais pas la fête, fais pas le show. J'ai cucu dans toutes les toilettes. J'ai Lulu dans toutes les levrettes. J'ai Coca-Cola, on achète. Donne le burger ou je te raquette. Active la cloche, tu connais. Sur le bouton, faut appuyer. S'abonner, c'est déjà fait. Like, sur le bouton, c'est déjà fait. Partage le terre-terre des abonnés. Sur l'instru, ça va décoller. Dégommer, bombarder. Pour la célébrité, il a tout donné. Abonnez-vous à Luclab. On y retrouve des choses fun, telles que Roberto Poulet ou encore PQQ. Abonnez-vous à Luclab. On y retrouve des choses fun, telles que Roberto Poulet ou encore PQQ.